Peut-être l'une des plus grandes déceptions de Longoria, Luis Suarez a déjà vu son nom mis à disposition pour une sortie probable dans cette fenêtre de transfert. Mais maintenant mes amis, il semble qu'une vraie proposition commence à prendre forme. Marseille a déboursé près de 10 millions d'euros pour que l'ex-grenadier vienne sur les pelouses de l'OM. Mais face à tant de concurrence en attaque, on a après tout Alexis Sanchez, Amin Harit, Dimitri Payet et Bamba Dieng. Suarez n'a pas obtenu une place de choix dans l'équipe Tudor. Bienvenue mon cher fan de Marseille, peut-être que la solution au problème de Luis Suarez se trouve en Espagne. C'est vrai mon ami, comme Suarez n'a pas eu de temps de jeu ici, et le temps qu'il a eu n'a rien montré de spectaculaire, les courtisans ne feront aucun effort pour le recruter. Pourtant, selon le quotidien sportif espagnol El Démarque, le Real Saragossa, équipe de deuxième division espagnole, serait très intéressé par Suarez. Val rappelle que Suarez a joué pour le Real entre 2019 et 2020, et lui a laissé un bon bilan. Mais mon ami Fossen, le plus probable dans ce cas n'est peut-être pas une vente, mais un prêt sans option d'achat bien sûr. Ainsi, Longoria ne perd pas son gros investissement dans le jeune attaquant et Luis Suarez pourra avoir plus de temps de jeu, augmentant ainsi sa valeur commerciale.